Salut à tous, c'est Uzo. Aujourd'hui, on se retrouve sur Far Cry Primal pour la version PC et pour faire un let's play complet. Et oui, je reprends mes bonnes vieilles habitudes. Donc, c'est parti, on lance une nouvelle partie pour ce jeu. Bien sûr, on va partir comme à ma grande habitude en mode normal pour savoir un peu la difficulté du jeu. Et on va le mettre, tiens, en finlandais. Non, on va rester sur du français. Animation de fouille. Bah, bien sûr que oui. Restons le plus réaliste possible. Et c'est parti, les amis. Donc, je veux faire comme à l'époque de Metal Gear, un let's play complet. Mais là, je ne connais pas le jeu. Donc, du coup, bah, je vais apprendre de mes erreurs. En live, on va dire. En vidéo live. Ah oui, un bon retour dans le temps là. Avant Jésus-Christ. En Europe centrale. Donc voilà, ça y est, on est dans le jeu. On est dans la préhistoire. Bon, alors, le titre ne vous choquera pas. Donc, on se trouve quand même 10 000 années avant Jésus-Christ, parmi les mammouths, avec une belle vidéo d'intro. Et pas d'anglais, hein. C'est vraiment une langue. Comment dire ça? Une langue primaire en fait qui a été utilisée dans le jeu. Enfin, pour moi, hein. On verra bien si à la suite de l'aventure on se retrouve pas avec des gens qui parlent anglais. Mais bon. Donc l'objectif c'est de rester accroupi et suivre d'assaut. Et est-ce que j'ai compris de tuer un petit mammouth? Donc
Donc là en mode camouflage. Ouais, je te suis. Donc, d'accord. Ok, pour viser, ça reste assez simple. Même le petit mammouth, il est énorme, quoi. Allez, on sprint. What? Bon, allez, c'est parti. Wow. Ouh, en pleine trompe. Ok. Maintenez lorsque vous visez, appuyez sur. Pour chasser votre poids, ah, vas-y, d'accord. On vient de comprendre. Ouais, c'est, je crois qu'il va me pourchasser, non? Oh putain, ça me fait du mal de tuer un mammouth. Mais bon, c'est pour le bien du jeu. Ah, les écolos, ils vont pas aimer, hein. Oh le pauvre, ah ça me fait du mal au cœur de voir avoir une enfin de tout voir tuer un animal, quoi. Un animal, pardon. Waouh, impressionnant. Oh putain. Ouf, on prend cher. Dangereux la bébête. Couché. Ouh la cascade. Là on a pas de parachute, quoi. Ouais, quand même, Ubisoft, ils arrivent quand même à nous mettre quand même dans l'ambiance directe, quoi. Donc on a besoin d'un arc. Il nous faut donc amasser des ressources pour confectionner un arc. Yes, ça commence bien. Alors, qu'est-ce qu'on doit récupérer? Des bois d'aulne. Comment on récupère ça? Donc déjà là, je pense que je peux récupérer le roseau assez facilement. Donc là, j'ai récupéré deux roseaux. Du bois d'aulne, il m'en faut encore. Voilà, donc j'ai 5 points d'aulne, il me manque de l'ardoise. Donc ok, c'est en surbrillance. Je savais pas qu'on pouvait récupérer de l'ardoise comme ça assez facilement. Donc on ouvre le menu et on confectionne notre petit arc. Donc on peut l'améliorer avec... donc il faut une grotte, une pierre du sud et un poudre de cailloux. D'accord, on a quand même un bon truc à créer, quoi.
On a pas mal de choses à améliorer au niveau des compétences, il me semble aussi. Putain, j'ai l'impression qu'on a, on peut jouer plusieurs personnages. Est-ce moi ou c'est une impression? Bon, on verra par la suite. Mais ce serait cool de pouvoir jouer plusieurs persos en fait. Hop. On a notre arc. On va pouvoir partir à la chasse. Ah, ils savaient déjà fabriquer les arcs à l'époque. On était déjà très intelligents 10 000 années avant Jésus-Christ. Je vais quand même récupérer des... Pour chasser efficacement, approchez-vous doucement de votre proie et appuyez sur B pour vous accomplir. Donc ça c'est normal. Donc si j'appuie sur R, j'ai une vision de chasseur. Gardez vos distances et certains animaux s'enfuiront et s'ils étaient de votre présence. Donc... D'accord, donc avec la vision d'aigle en fait, on a une facilité, c'est-à-dire qu'on entend vraiment beaucoup de choses. Chassez de pousser vos proies pour obtenir à manger, d'accord, donc il faut tuer 3 chèvres si je comprends bien. Donc là, ok. C'est une chèvre ça. C'est un peu difficile à distinguer. Normalement je dois la voir là. Si je l'ai pas, c'est que je suis nul. D'être par là, la petite chèvre. Ah, elle est morte quoi. Ah, une flèche ça suffit pour la tuer quoi. Donc là on se soigne. Hop. Du coup c'est parfait. On a récupéré de la peau de bête, de la bouffe et on se nourrit. L'autre ne doit pas être très loin. Sachant que je l'ai normalement bien blessé. Normalement, comme au sniper, on vise un peu plus haut. Ouh, tire dans la tête. Bon bah ça a été direct. Hop ça, ça fait. Ok, on va ramasser le roseau. Et normalement, j'ai tué une bête. Enfin, j'en avais blessé une. Et je vois pas où elle serait partie en fait. Sachant que j'ai blessé. Oh, peut-être petit bug. Bah, il y en a une. Je vise bien. Non, je l'ai pas eu. Voilà, hop. Petit sniper, petit tir de précision, hein. Hop, on récupère notre flèche, tranquille. Et c'est parfait. Donc je trouve un petit abri. Allez, c'est parti. Ne peut presque plus contenir de viande. Ok. Ok, ok. Bah du coup, je pense que je peux quand même... confectionner... des flèches, non? Ou je sais pas comment on confectionne des petites flèches. Confection de gourdin, piège. Les flèches dans la roue des armes. Ouais. Ah, dans la roue des armes, d'accord. Donc là on a la nourriture, on a l'apprivoisonnement, on a annulé arme de lancer, confectionné, ok, ouais voilà, j'ai compris comment créer des munitions, ça pourrait nous aider. Donc là on a trouvé notre petite baraque, notre première baraque surtout. Hop, je récupère quand même de l'ardoise, c'est toujours utile. Et on va se faire un petit feu de camp tranquille au calme. Pour nous réchauffer. Ouais.
comme ça, Quim. Ouvre ou c'est quoi? Ah bah je croyais que tu voulais dormir. Panti chastango. Walzra tatichama pour baron. T'as tout compris, vous pouvez confectionner un gourdin. Voilà, on confectionne ton petit gourdin. Nickel. Il se construit un petit gourdin tranquille quoi. Bon c'est pas si utile qu'une bonne hache canadienne là, mais toujours utile. Ok, on enflamme le gourdin comme ça. Bah tiens, en parlant du feu, je sais pas si vous avez déjà essayé de faire du feu avec du silex. Moi franchement je prends du temps quand même à faire des étincelles avec du silex hein. Lui en 2 secondes il a réussi à faire un bon feu quoi. Ah oui, ça prend feu direct partout quoi. Je vais quand même en prendre du bois. C'est toujours utile. Alors, suivez les traces de Wenja. Oh, il y a du sang là. Oh, on peut descendre. Ah là-bas il y a une sorte de corde à la, un peu à la Rainbow Six, à la Far Cry 3 et 4. Ouais voilà, je me disais bien. Ah, ils gardent vraiment tout ce qu'ils ont fait dans les anciens jeux pour les utiliser. Donc là il y a un quoi chercher. Ça a l'air d'être du sang un peu pas frais. On va suivre ces traces. Là, j'ai vraiment l'impression qu'il s'est battu ou qu'il attend de perdre tout son sang. Il a tué je sais pas quoi là-bas. Il a tué un loup. D'accord, c'est peut-être pas lui qui saigne, c'est peut-être le loup. C'est peut-être pas lui qui saigne en fait. C'est peut-être vraiment le mec qui attend de chasser des loups. Ouais. Tu y crois hein. Pour les loups, je te promets, ils te bouffent aussi même avec du feu. Ouais, c'est du sang vraiment. Je sens le loup. Okay, ouais, je me disais bien, il y a bien un loup. Qu'est-ce que tu veux? Voilà, casse-toi. Alors, il est où le loup? Là j'ai peur que je me fasse défoncer là. Ah l'enculé. Ah j'aime pas les loups. Tiens, prends-toi ça. On mange un petit morceau. Ah franchement le feu. Faut faire attention, j'ai l'impression qu'en fait il peut être aussi bien meurtrier pour ton ennemi mais aussi bien meurtrier pour toi. Voilà. Je crois que je les ai calmés là. Je récupère un peu. Attends, j'ai tué des loups. On va quand même récupérer tout ce qu'on peut récupérer sur eux. On va suivre les traces de Wenja. Hop. Moi, franchement, le début du jeu il me plaît beaucoup. J'espère que... Mais j'ai l'impression que mon gourdin en fait il brûle petit à petit. Enfin c'est réaliste dans un sens mais je pense que je vais le perdre. Je vais le perdre, je dois en refabriquer hein. Ça sent mal hein. J'ai l'impression qu'il y a une grosse babette ici. En tout cas il y a quelque chose qui a brûlé. Il a fait un camp ici. Mais il saigne en fait. J'ai vraiment l'impression qu'il saigne, qu'il est blessé ou quoi que ce soit. En tout cas il a fait un camp ici. Ouais. D'accord, là je pense que ça va être à la nage. Whoopiting. Bon, on sait nager déjà. Mais on a plus de feu du tout. Enflammez vos armes via la roue des armes. Maintenez LB et appuyez sur X. Enflammez. Oh, on peut l'enflammer comme ça, d'accord. Bon, bah ça, tu vas me dire. En tout cas, c'est que c'est pratique. Ouais.
Il n'y a plus de place dans votre sac pour ces objets. Ouais, je sais qu'il n'y a plus de place, mais je peux pas confectionner d'autres sacs. Il ne me semble pas que je puisse confectionner encore un sac. Ça, si, je peux déjà améliorer pas mal de choses. Pour sprinter... Ah non, d'accord. C'est déjà appris, ça. Et on peut les débloquer petit à petit. D'accord. Ok, ok. Donc on utilise notre vision de chasseur. Vraiment l'impression d'une sorte de gros ours ou d'un putain de loup là qui nous attend. Est-ce que le Wenja il est ici? Faut quand même mettre le feu comme ça, ça nous fait un petit un peu de lumière. Ah là il y a une sorte de... Hop. On va suivre la trace du Wenja. D'accord, en gros, oui. Ce que je viens de comprendre, c'est vraiment que tu dois fabriquer ton gourdin. Chaque gourdin, tu dois le fabriquer. D'accord, bon bah là, on va peut-être pas le renflammer pour qu'on peut voir ce qu'on peut voir. On arrive encore à voir. Ouais, non, j'ai l'impression qu'on voit pas en fait. Franchement, c'est sombre. Les traces de Wenja. Ah, on peut en confectionner. Ok, bon, bah, je les ai confectionnés. Ouais, voilà, je me disais bien, on peut vraiment les confectionner. Les enflammer à notre guise. Ça, c'est parfait, ça. Wenja. Où es-tu, Wenja? Le mec qui rush tranquille sans savoir ce qu'il y a à la fin de la grotte. Bon, on va faire encore un bon plongeon là. Hop. C'est pas mal, même les fonds marins. Enfin, vraiment, Ubisoft, ils ont fait un beau travail. Enfin, graphiquement, ça reste beau. Hein. Pas magnifique dans certains moments. Regardez ça. Là, je suis en ultra. Bon, ça reste pas très, très, très beau. Mais c'est potable. Et franchement, j'apprécie leur travail. C'est déjà pas mal pour un début de jeu. Je suis pas admiré, mais j'aime bien. Franchement, le jeu me plaît beaucoup déjà. Il a fait un autre gant ici. Ça... Et encore... Ah, il est là. Ah, enfin. Je l'ai retrouvé. Allez, mon petit bonhomme. On y est presque. Non, 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 on va pas laisser crever. Ce tigre, on va le battre. Allez. Putain, ça doit... T'imagines, t'es face à ça, ça va être tellement impressionnant. Ouh, on s'en est sorti de belle. J'ai l'impression qu'on a pu passer dans ce petit trou. Shalom. Dakar Hassan.
ça et là. Tigri Chawasu, Tii Bayamartis. Tigri Udandaf. Udam Shaus. Dawsam. Utakar Ulimwan. Ku Aika Gwashta. Mi Kawa. Ahatra. Guama. Guama. En tout cas, je sais pas si on doit suivre une fille avec des oreilles autour de son cou, hein. Ça fait un peu bizarre. Shajan. Winja Damsha. Hukujara. Udam. Pai hu winja huguana. Winja haiwa guasha. Santamsha orosu. Sakui. Ai. Walta lauba akista. Mi barra. Et après avoir aidé cette jeune femme en détresse qui porte de belles oreilles autour de son cou, on s'arrête pour le premier épisode et on se retrouve pour le deuxième qui arrive juste après. Yeah.